Dans un silence de cathédrale, Caroline doit faire preuve d'une grande concentration. Pas question de déraper avec son pinceau. Aujourd'hui, c'est une peinture à base d'or qu'elle travaille. Des coups de pinceau et après, pour fixer la couleur, le verre doit passer par un four. Il faut dire qu'ici, chaque pièce est unique. Je peins donc avec des pigments qui sont comme ceci, que je mélange avec de la térébenthine, de l'essence grasse de térébenthine. Et je peins donc sur la porcelaine qui est déjà émaillée et puis je cuis au fur et à mesure 3-4 fois à 850 degrés. Oui. Cela fait déjà plus de 20 ans que Caroline peint sur le verre et la céramique. Mais devenir un fournisseur de la cour pour elle, c'est une énorme surprise. J'étais très fière, bien sûr, c'est une belle reconnaissance. C'est une récompense aussi, et voilà, c'est très honorifique et ça m'a fait très très plaisir. Dans un tout autre style et loin du petit atelier de Caroline, la maison de coiffure Didier et Rosalinde figure aussi parmi les nouveaux fournisseurs de la cour. Tania coiffe régulièrement la reine Mathilde. Elle travaille ici depuis 15 ans et ce titre honorifique pour elle, c'est aussi une grande reconnaissance. C'est un grand honneur, c'est beaucoup de joie et c'est merveilleux parce qu'on peut créer beaucoup de coiffures avec des diadèmes, ça nous fait porte ouverte à beaucoup de choses, donc c'était un grand honneur pour nous. C'est un petit peu un rêve aussi, un rêve de petite fille de pouvoir coiffer la reine comme ça? Oui, oui, c'est un rêve et puis après il arrive, pouf, paf, boum, et on y est. Et oui, c'est une grande joie et c'est plein de magie, c'est merveilleux. Si vous aussi souhaitez faire partie de cette prestigieuse liste, il faut répondre à des critères particuliers, notamment fournir la cour pendant au moins 5 ans avant de constituer un dossier. C'est ensuite le palais qui décide.